Salut tout le monde! Une petite capsule vite fait, bien fait, juste pour la joie de vous présenter ma passion pour les vêtements, la mode et puis les bazars, les friperies, les Saint-Vincent-de-Paul, tout ce qui concerne la réutilisation de vêtements. Parce que je pense que pour la planète, pour notre portefeuille et pour la communauté, c'est bien de partager nos vêtements. Je vous en jase. Par exemple, que vous soyez quelqu'un de sportif, puis que vous cherchiez des vêtements décontractés, confort, prêts à aller marcher, courir ou grimper une montagne, ou bien que vous soyez du style intello et que vous soyez toujours à la recherche des prochaines expositions dans les musées. Peu importe votre style, les bazars Saint-Vincent-de-Paul, ventes de garage, appelez-les comme vous voulez, les friperies aussi ont toujours ce que vous cherchez. À cause de mon amour de la planète, mon amour de Dieu aussi et surtout, et mon amour de la communauté, des gens avec qui on vit, des gens qu'on croise un peu partout, je trouve ça particulièrement important d'arrêter d'acheter du neuf fabriqué en Chine ou au Bangladesh. Ces gens-là, je les aime, mais sont souvent sous-payés. Favoriser le partage, vivre avec nos frères et sœurs, vivre avec les gens qui nous entourent, puis partager ce qu'on a. Ça rend tellement heureux. Et moi, ça fait grandir ma foi. Je vous donne un exemple. Ça m'est arrivé souvent de demander à Dieu, dans le secret de mon cœur, quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Une jupe en bas du genou, noire, qui fasse un peu journaliste, parce que ça m'arrive de faire du journalisme. Et puis, j'en avais absolument besoin. J'étais arrivée dans un bazar, elle était là et elle m'attendait. C'est tout juste si mon nom n'était pas écrit dessus, tellement c'était pour moi. Je venais juste de faire la prière au Seigneur, j'aimerais ça, trouver ça. Je l'ai trouvée en un instant, elle était 3$. Combien j'aurais payé si je l'avais acheté en magasin? Ouais, combien j'aurais payé dans un magasin? En tout cas, je suis vraiment contente. Un vrai cadeau de Jésus. Fait que voilà, moi je veux vous encourager tout le monde parce que pour moi, c'est une façon d'être cohérente entre mes valeurs puis mon mode de vie. J'aime avoir beaucoup de vêtements, j'aime être bien habillée, j'aime avoir le choix dans mes vêtements. Puis pour être cohérente, ben je laisse Dieu m'aimer en fréquentant les lieux où la générosité des gens se manifeste. Puis je nous encourage à faire notre ménage de garde-robe, puis à donner généreusement. Ça nous est toujours rendu au centuple, puis c'est écologique, économique, ça fait du bien à tout point de vue. On est gagnant! Oui, on est gagnant! Ça permet en plus à Dieu, puis à sa providence de se manifester. Puis là, ben je me suis rechangée pour faire la conclusion juste parce que c'est le fun. C'est juste parce que c'est le fun! À bientôt là, à la prochaine. Ciao.